dimension humaine, hein, donc sur les aspects déjà relations avec le cédant, hein, donc c'est important aussi de faire ce lien, l'interaction entre le cédant et puis le repreneur, c'est-à-dire que de transmettre ces, voilà, le savoir, l'intégration au territoire, donc pour une installation réussie, hein, donc c'est s'intégrer sur un territoire aussi, c'est aussi pour le porteur de projet, donc d'amener son projet au cédant, de le présenter et de voilà, et qu'il y ait une adhésion, qu'il y ait un partage de valeurs en fait entre ces deux personnes-là pour que ça se passe bien aussi. Donc, ensuite, il y a un aspect aussi formation. Hein, si on est issu du hors cadre familial, ben, peut-être qu'on n'a pas une culture agricole aussi grande que quelqu'un qui est en famille. Donc c'est de mesurer aussi ses compétences et de les améliorer au travers du parcours à l'installation donc, qui est prévu pour cela. Et ensuite, bien entendu, il y a une dimension économique, hein, donc c'est ben voilà, la valeur de l'exploitation, la valeur de reprise et la valeur calculée par le cédant auparavant. Donc, c'est-à-dire qu'avoir une bonne valeur de départ, c'est peu de négo et c'est une fluidité après dans les relations. Hein, donc, voilà. On accompagne donc les cédants donc, via nos conseillers transmission qui interviennent donc, lors de visites transmission, de pack transmission aussi pour évaluer l'exploitation et aussi à travers de formations. Alors l'accompagnement se fait quand même en douceur, hein, on apporte les premiers éléments, on sent si le cédant il est prêt à transmettre son outil quand même qu'il a depuis peut-être 30 ou plus de 40 ans. Donc voilà, c'est quand même une démarche singulière, hein, donc on l'amène aussi en fonction des profils des cédants et on essaie de répondre bien entendu à leurs attentes. Et les installer, donc on les accompagne ben, dès le point accueil installation, hein, donc, qui est un, voilà, un centre d'appel multipartenaire pour les premières questions à l'installation. Et ensuite, hein, donc, quand leur projet commence à être identifié, donc ils rentrent dans un parcours, ce qu'on appelle le 3P, le parcours de professionnalisation personnalisé. Et donc, on mesure les compétences qu'ils doivent encore acquérir après leur expérience salariée, puis leurs études. Et une fois que notamment on leur apprend à chiffrer leur projet. Et une fois que ce parcours est fini, ben c'est là que voilà, ils s'installent, ils ont trouvé l'exploitation ou la société dans laquelle ils vont s'installer. Et là, on bâtit leur projet sur une approche globale. Hein, donc on a une dimension économique, humaine, environnementale, sociétale. Et à partir de là, voilà, ils sont prêts à s'installer. Et puis on dépose leur dossier. Ils ont toutes les aides auxquelles ils ont droit, qui est donc voilà, la force publique en fait, hein, voilà, incite voilà, les jeunes à s'installer parce que c'est partie du caractère économique hein, des territoires. Et donc par la suite, donc, ils s'installent et voilà, ils sont agriculteurs, ils ont été bien accompagnés, ils sont prêts et puis ils vont devenir de merveilleux actifs agriculteurs et puis ils vont encore évoluer, ils ont plein de projets encore dans leur vie. Il faut que les cédants soient prêts à transmettre. Et puis soit aussi ouvert. Hein. Aujourd'hui, ben, par exemple, on peut citer quelqu'un qui en l'est. Voilà, il faut être prêt aussi à accepter qu'un porteur de projet souhaite la monotraite ou souhaite avoir un projet plus extensif. Pareil, hein, il ne faut pas qu'il y ait de tabou non plus pour le cédant sur un changement de production. Hein, je suis en ovin, peut-être je passerai en bovin, donc là-dessus, il faut que les cédants soient prêts aussi. Il y a aussi la question de la maison d'habitation hein, pour les cédants, qui est quand même quelque chose de central. Hein. Faut savoir que si la maison d'habitation est en plein cœur de l'exploitation, ben, ça sera quand même mieux de la transmettre aux porteurs de projet, parce que comme c'est une approche globale, c'est un projet de vie. Et après, ben, côté porteur de projet, c'est aussi savoir voilà, amener son projet au cédant. Une ferme nous plaît. Mais voilà, donc c'est de se dire au cédant, voilà, présenter son projet, de dire qu'on va être dans sa continuité, qu'on va aussi porter ses valeurs et qu'on va, voilà, on va perdurer, c'est un projet durable. Voilà. Et donc avoir le cédant aussi en lien, c'est aussi un lien vers les propriétaires fonciers hein, qui ont des baux hein, vers l'exploitation. Donc d'aller aussi, donc, ça c'est dans la négociation, dans le lien qu'il y a à faire pour réussir son installation.